deux sentiments qui m'animent ce soir. Il y a le premier sur ce qu'il s'est passé sur le terrain. On est passé à côté. On n'a pas été bon ce soir. Lorient méritait presque même de gagner sur cette rencontre. Donc oui, il y a une certaine colère par rapport au contenu qu'on a montré ce soir sur cette pelouse. Et d'un autre côté, ça montre aussi tout le travail que l'on va avoir dans les jours, les semaines qui arrivent, avec ma direction, avec le Citigroup, pour se donner le moyen d'avoir une équipe compétitive pour pérenniser le club en Ligue 1. Des prestations comme celle de ce soir, elles nous aideront, elles ne nous faciliteront pas le travail la saison prochaine. Donc on doit en être conscient. Et une piqûre de rappel pour nous, par rapport aux jours et semaines qui arrivent, pour confectionner un effectif compétitif, encore une fois, pour la saison prochaine. Donc ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième, bien entendu, on est 15e. On est en Ligue 1. Et voilà, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il ne faut pas que le premier prenne le pas sur le deuxième. Gardons le deuxième. On a cette 15e place sur l'ensemble de la saison. Voilà, elle est pour moi méritée. On est allé la chercher au courage, avec nos qualités. Et de ça, bien entendu, que je suis très fier. Le maintien, il est pour tout un staff, tout deux staffs, parce que, bien entendu, Laurent a amené cette équipe en Ligue 1. Il a participé aussi à ce maintien. Et il est, bien entendu, dans cette saison réussie. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il y a deux staffs qui ont travaillé, qui ont maintenu les stacks en Ligue 1.